Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors voici quelques astuces pour différents types de tâches. Donc pour du linge d'éteint, si comme moi vous avez fait la grosse bêtise de patrie votre linge et que vous avez fait la flemmarde, voici la solution. Donc moi j'ai un t-shirt jaune sur lequel en fait euh, des traces bleues. Ont apparu donc je mets de l'alcool 90 sur les taches je les imbibe bien je mets ensuite dans une bassine du vinaigre blanc et je mets de l'eau chaude je vais laisser tremper toute une nuit si vous avez un linge très clair un linge blanc je vous conseille d'utiliser du percarbonate de soude et de le laisser tremper puisque ça va aussi le blanchir et aider en fait tout simplement à enlever les taches en ce qui concerne les taches de silo, c'est un petit peu comme le linge d'étain, pour dissoudre en fait le silo il faut tout simplement utiliser de l'alcool. Donc vous prenez l'alcool 90, vous imbibez votre linge, vous frottez un petit peu votre tache délicatement, et ensuite vous allez encore le laisser tremper dans du vinaigre blanc et vous le mettez en machine. Alors si votre tache de stylo euh, est fraîche, je vous conseille de prendre un petit coton, un petit linge humide. Et lorsque vous mettez la 49, vous tamponnez avec ceci pour un petit peu absorber l'excédent d'encre qui va se... Dissoudra. Donc on en vient maintenant au linge blanc qui a jauni. Parfois on laisse son linge dans des placards et on ne sait pas pourquoi des auréoles apparaissent. Ou alors vous savez ces taches de transpiration l'été sous les, sous les bras en fait, sur les t-shirts blancs qui sont immondes. Ben C'est en fait tout simplement la même recette. Donc lorsque vous avez un linge qui a jauni, vous mettez à peu près 2 cuillères à soupe de percarbonate de soude dans une bassine. Vous mettez de l'eau chaude qui soit à plus de 40 degrés. Et vous laissez tremper toute une nuit. Cela va libérer de l'oxygène actif qui va avoir une action blanchissante sur votre linge. Et ensuite, vous le mettez en machine. Vous n'avez plus qu'à voir le résultat. On passe maintenant aux taches de gras. Donc là, je fais exprès euh, de faire une tache de gras sur euh, un pantalon blanc. Donc c'est de la, de la vinaigrette en fait tout simplement. Parce que dedans il y a de l'huile, il y a plein de choses bien grasses. J'ai laissé un petit peu sécher, un petit peu, voilà, peu s'imprégner. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans différentes vidéos, pour enlever le gras, le savon de Marseille est le plus efficace. Donc je vous conseille d'utiliser mon fameux savon de Marseille enrichi au bicarbonate, puisque les grains de bicarbonate vont avoir un petit côté abrasif léger qui ne va pas abîmer la fibre et qui va vraiment permettre d'enlever tout type de tâches, même les plus tenaces. J'ai une vidéo d'ailleurs à ce sujet si vous voulez regarder un petit peu comment je l'utilise, sur quel type de tâches. Et franchement, il est super efficace. Je ne le lâche plus, ce savon. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis de gros bisous et à bientôt.